Ouais, je passe hein, si c'est de la musique copyright. Hey, c'est Zos et ses amis, Somnos 17, comment allez-vous, moi, c'est nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui avec... Rétro-vive, ou plutôt rétro-lose. Et on se retrouve pour... Sun vs. Dan. En un de temps sûr. Yes. Et aujourd'hui, donc, comme vous l'avez peut-être lu, on se retrouve sur PES 2000. Tiens, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours cru que... réglage du son, la musique, voile et crotte. Voilà, confirmé. Donc voilà, d'ailleurs, petite anecdote, j'ai toujours cru que le logo du disque dur, en fait, vous voyez quand vous choisissez, là, comme ça l'a fait, votre l'endroit où vous voulez sauvegarder votre partie sur la Xbox, j'ai toujours cru que la petite icône qui représentait le disque dur, j'ai toujours cru que c'était un paquet de chewing gum en fait, qui était pas ouvert. Mais non, c'est la forme du disque dur. En fait, sur les toutes premières Xbox 360, sur les FAT, en fait, il n'y avait pas de disque dur intégré. Soit vous achetiez un disque dur qui faisait 20 Go et des brouettes pour 100 balles. Soit vous aviez une carte mémoire qui faisait 256 mégas, je crois. Et donc voilà, et donc en fait le disque dur avait la forme en fait qui est montrée dans l'icône. C'est pour ça en fait. Merci pour cette culture convivialité. Comme d'habitude. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour un petit Sun vs. Dan, on remonte le temps sur PES 2008. Oui, on a fait un gros saut dans le temps, là. On est passé de 2013 à 2008. 2012 à 2008. Eh oui, on a des trous dans la raquette, ou plutôt des trous dans la collection. Ouais. Ça viendra. Ouais, les PES. Ah oh, si, j'aimerais bien. Bon, on a à peu près tous les FIFA. Ouais. Donc voilà, un PES qui a été, il me semble, beaucoup décrié par les joueurs. Ce que je comprends pas, parce que j'aime beaucoup ce PES. J'y ai joué un petit peu et je le trouve mieux que... que le FIFA... Ah. Ouais, FIFA 8 sur Wii déjà. Oui. Sur Xbox, on n'en a pas testé. Si, on l'a testé, il y a une vidéo qui arrive. Et oui, on a enfin FIFA 8 sur Xbox, du coup, on prend un nouveau Sun vs. Dan pour voir la différence. Il nous en manque plus que deux sur Xbox. Hein. Ouais, FIFA 9 et FIFA 11. Allez, on part tout de suite donc sur un match d'exhibition, mais toi à l'extérieur. J'y ai jamais joué, hein. Donc les équipes nationales en Europe A, et toi tu vas aller en Amérique du Sud, là tu es allé en Afrique. Oh pardon, désolé. Voilà, où est-ce qu'il est parti? Mais je suis où là? Mais où suis-je? Ah oui, tiens, un petit point sur les ligues, vous avez donc la première ligue qui n'est absolument pas représentée. Vous avez ici quelque chose qui ressemble beaucoup à l'écusson de Southampton, non, pas Southampton. Non mais ça ressemble Sunderland, à... Ah bon. Sunderland, voilà. Le club qui vient de racheter le fils de Robert Louis-Dreyfus, l'ancien patron de l'OM, Thierry Louis-Dreyfus, qui est en 3ème division anglaise. Et c'est un rapport avec René Dreyfus, le pilote Non. Non, ok. Donc la seule qui est soumissante, c'est Tottenham, en Angleterre. Voilà. Il y a Newcastle. Ensuite, vous avez la Ligue 1 qui est entièrement modélité. C'est Valenciennes. Il y a du logo Sochaux. Monaco, Lorient. Ça sent bon la Ligue 1 des années 2000, voilà. Voilà, là vous avez le Calcio. Oh, ils y sont, hein, partis. Catane, si, c'est les vraies équipes. Palerme, l'Eredivisie. Ouais, c'est la vraie. La Liga Espagnole. Ok, plutôt pas mal. Ouais, c'est le Real Saragossa, et puis ensuite vois, vous avez tous les clubs, donc le Bayern. Il y a des clubs belges, c'est pour la Ligue des Champions ça. Non, il n'y a pas la Ligue des Champions. Ah, il n'y a pas la Ligue des Champions. Ah, ici vous avez Porto et le Sporting, vous avez donc les trois clubs. Les clubs moscovites, les clubs écossais, les clubs turcs, les clubs croates, serbes. Ouh, c'est assez complet. Ouais, les clubs suédois. Les clubs de Suisse, Ukrainien, Turc,
Et après, vous avez les fameux PES et WWE, sur les places que les équipes peuvent créer, je suppose. Voilà, et puis vous avez donc les nations. Donc France-Brésil, hein ? Ouais. Notre classique. Je suis ouais. Le Brésil, tu es la France. Voilà, les maillots qui sont les bons. Je joue avec le maillot bleu. Bah, je joue avec le maillot bleu, non, on va faire le classique. Tu vois, c'était quoi le deuxième maillot ? C'était le fameux blanc. Oh, mais c'est les maillots de la Coupe du Monde. Oui, bah oui. Alors, au niveau des stades. Ouh là là, c'est réduit un peu de chagrin. Ouais, 15 stades. Honnêtement, la moyenne hein, sur PES, c'est la 15e stade, je sais pas, à cette époque-là. Konami Stadium, l'Estadio de la Luz au Portugal. Au Portugal. Il y a tous les stades. L'Estadio do Dragão. L'Estadio José Alvarez. Donc, le deuxième stade de Lisbonne, le stade du Sporting. Ouais, le Bristol Mary City. Donc, Stadium, Mary Stadium. Oui, Mary Stadium, donc le stade de Bristol, je suppose. Ville Marie Stadium. Mohamed Louis Stadium. Est-ce que c'est un stade générique en Afrique? Je ne sais pas. L'Antion Colosseum, ça me porte aussi. Non. Ça, la stade, c'est. Franchement, on dirait que le terrain est rond. Oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Le Teatro Blanco qui s'arrête en vrai stade. L'Orange Arena, actuellement la Cruyff Arena. Bah ouais, tu crois que c'est le stade de... Oui, c'est la Cruyff Arena. Le Camp Nou, qui s'appelle le Catalonia Stadium. Ouais, me demandez pas pourquoi. Ils ont pas dû avoir des noms... Ouais. Le Santiago Bernabéu. Le stade olympique de Rome. Oh non, c'est pas celui de Berlin ? Non, c'est celui de Rome. D'accord. Le San Siro est le meilleur stade du monde, juste à côté. Allez, on va jouer. Le stade Louis II. En plus, c'est le seul stade français. Non, c'est pas en France. Oh ouais, c'est bon. Ouais. Hein, c'est le seul stade de Ligue 1. 10 minutes, oui. PES, alors les ballons. Le classique. Très joli. Le plein. Donc le 2002. Ouais, j'ai horreur de leurs ballons. Le 2007. Le 2008. Un Team Geist. Et un ballon. Voilà, un Team Geist. Ouais. Oh, l'orange, pour moi, non. Allez. Type de match, pour bien sûr. Oui, peine, bien sûr. Nombre de remplacements, 3. Confirmé. Vas-y. Les équipes. Alors, de mon côté, j'ai Grégory Coupé, Lilian Thuram, William Galasso, Willy Sagnol et Eric Abidal. Ouais, ça ressemble fort quand même à l'équipe post-Coupe du Monde. Ouais. C'est marrant que tu auras mis son corps. Bah non, on est juste avant l'Euro. Hein. Je rappelle qu'il a fait l'Euro. Ah oui, j'ai un peu croyé qu'il avait arrêté en 2006. Et non. Vieira, qui a fait l'Euro aussi. Makelele, Ribéry et Malouda. J'aime beaucoup ce milieu là, Vieira, Makelele, Ribéry, Malouda, je sais pas toi, moi j'ai... Il y a quelque chose. Ça, Henri, ça... Landreau, ouais, Boomsong, ouais, Escudé, non, j'y vais. Claire, Alou Diarra, Rio Mavuba, Jérémy Toulalan, Sylvain Wiltord, ouais, je préfère Govou, oh non. Non, je me le garde en super sub. Oh, bah, il y en a qui aussi. T'as ouais. Du monde, hein. Et voilà. Il y a du monde. Ouais. Ouais, attends, comment tu fais ? Changement de joueur. Alors, Julio César les buts, Lucio, le traditionnel Juan Maicon, Gilberto Silva, Doudou. Je ne sais pas qui est Doudou. Elano, Kaka, Robinho et Raphaël Sobis. Elton, gardien remplaçant Luis Sao, Chris, Daniel Alves, À cette époque-là, on va sortir Gilberto, on va regarder, hein. Le Chris, j'ai bien envie, Cicinho, Edmilson, le joueur de Lyon aussi, Diego, Julio Baptista, Ronaldinho, Fred, Adriano, Ronaldo, oula, et on a des mecs sur la fin, hein. Ouais. Alors attends, on va se tenter quand même des petits quelque chose, là. Ouais, on va se le mettre là. Ouais. J'ai pas vraiment. Ah, si, attends. Ronaldo à la place. Attends, Doudou, je le sors, je mets Nilsson. Hein. Ouais. Tu
Tu veux pas Ronaldo à la place de Rafa? Attends, je me mets Chris, hein, c'est le côté un peu hommage à la grande période lyonnaise. Je ne suis pas fan de Lyon, mais voilà, c'est quand même. Alors attends, j'ai qui devant Rafael Sobis, non, je le sors. Ouais. Allez, je me mets Adriano et je fais rentrer Ronaldo. Ok. Voilà. Je laisse cette tactique-là. Allez. Allez, fume. B. Coup d'envoi, affiche. Coup d'envoi. Là-haut. Où? Bravo. C'est donc parti, temps de chargement. Voilà, c'est les mêmes touches que d'habitude. Hein. Ouais, d'accord, je vais me planter par rapport à. Vous allez voir. À FIFA. Si on c'est après qu'on fait un tournoi FIFA. Hein. Ouais. Cet après-midi, donc soyez présents, ce sera peut-être sur YouTube si tout se passe bien. Je vais peut-être réussir à régler le problème. Peut-être. Oula. Voilà. Y'a pas de présentation d'équipe, y'a rien ? Non. C'est sommaire. Y'a Mbappé arbitre derrière, t'as vu ? Quoi ? C'est Mbappé qui arbitre derrière. Ah, j'ai Il ressemble. J'ai pas l'impression, mais. Ah, c'est que. Ah oui, d'accord, ça y est, j'ai retrouvé pour accélérer. Il y a beaucoup d'espoir. Oula. J'espère qu'on ne sera pas déçus. On peut ? Oh oui, non, on peut plus en plus. C'est mort. Ok, juste, bon, vous avez entendu. Attends, je sais pas qui c'est. Darren Tulet et. Oui, je crois bien. Ouais, bon, bon. Non, c'est Christian Jean-Pierre. Oula, Christian Jean-Pierre ? Ouais, ouais. Pourquoi même ça met tout à l'heure le système ? Voilà, je sens. Ouais. Commentaire. Non ! Confirmé. Voilà. Désolé, je vous avais un peu d'écho, mais le son est un peu fort. Alors, il y en a les trajectoires qui sont très rectilignes. Hein. On retrouve notamment sur les anciens FIFA. Hein, c'est le même problème. C'est ça qui fait aussi que le jeu est plus dur. C'est que les trajectoires sont plus compliquées. Enfin, elles sont plus faciles à appréhender en défense. Mais... J'ai fait une fin de bateau! D'accord. Okay, un but d'entrée dans une défense totalement aux abois. Ouais. Attendez, celle sur King Gen, là. Là, c'est un peu. Voilà. Bon. Et caca. Ouais. Et là, t'as rien vu, hein. Oui, oui. Là, j'ai fait une passe à 10. Regarde. Hop, tes joueurs, ils y vont. Hop. Et là, je dis, ouais, je vais avancer, puis je vais mettre une mine. Et boum, voilà. La lucarne. Mais comment il peut louper ça? Non, il est loin. Oh, regarde, elle est, ouais. Elle est parfaite. Ouais, ouais. Ouais, ouais, sur start. Allez, et pour une fois que tu es mené, c'est rare quand même. Non, non, d'habitude tu égalises. Bah oui, c'est bien pour ouais. Ça que tu t'es dit ça. Oula, une grosse balle en profondeur. Ouais. Je vais jouer la montre. Le mec, il y a 3 minutes ouais. De jeu, il joue la montre. C'est ça. Oh, le magnifique stade avec les arches derrière. Ouais. Où sont mes attaquants? Wouah! Je sens. Le pire dans tout ça, c'est que tu n'as pas joué du tout. Hein. C'est ton premier match. Sur ce... Ouais, mais c'est l'expérience maintenant. C'est la chance du débutant qui a fait ça. Oh non! Ouf! Ouh! Oh, oh. Alors là, tu me mettais un deuxième d'entrée là. Oh là là, il était bon de sang ouais. Pourtant. Hein. Vous voir qu'il avait taclé au deuxième poteau. Voilà. Alors, on va voir comment se font les corners. Alors, attention, est-ce qu'il va se planter sur la touche du centre? Non, j'ai pas l'impression. Oh là! Ah! Ah non! J'ai fait une mauvaise remise. Alors que je voulais frapper. Ribéry. Oh, quoi? Ah non! Il y avait hors jeu? Non, ouais, je sens. Oui. Mes joueurs sont très loin, dis donc. Vira. Normalement, qu'il n'y a pas de vitesse. Donc, ouais, allez. Oh, il n'y a rien du tout. Non, il laisse Vira, regarde. Ah, les cartons jaunes. Tu vois, c'est Mbappé, mignon. L'arbitre. Non, je plaisante. Non, non, non. Et je trouve pas. Les joueurs qui sont. Oh non, Vira qui est mal fait. Mais sinon. Bah, oh, non, il n'est pas si mal fait ça. Les soigneurs s'occupent du bois. Allez, une jambe en moins. Allez, ça mange pas de pain. Oh Malda. Ah non, mauvaise passe. Je le savais quand j'ai fait la passe. Ah, ça y est, Vira revient.
J'aime bien le petit écran en bas. Ouais. Faut se couper. Pas assez fort. Ça tente, ça tente. Ouais, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas vu ton gardien. C'est le monde à l'envers un peu sur ce match. C'est le Poltergeist et le Team Geist orange qui me... Poltergeist, voilà. Non, non, c'est pas plus d'horreur. Hein. Le mec, il... ces derniers jours de l'année, il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue. Surtout sur cette année 2020, ouais. C'est compréhensible. C'est compréhensible en plus. Je vais y arriver, et j'y arrive pas en français, j'y arrive pas. Ouais, penalty. Il fait une bonne relance à la main. Ouais, oui. Je pensais pas qu'il y avait un joueur par là, je pensais qu'il allait juste la mettre direct en touche. J'ai vu ton gardien. Bah, c'est le principal. Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! Attends, attends, on rappelle, hein. Donc l'équipe de France qui était nulle. Le Brésil qui avait gagné la Copa América. Ouais. On rappelle juste. Ouais, on rappelle juste, mais ça refait quand même... J'ai mon excuse. Ouais. T'as la meilleure équipe. Ouais. J'en suis à peu près à 12, 13, 14, 15 défaites de suite. Attends, le match n'est pas fini. Hein. Ouais, attends, je revois. Cette magnifique frappe. Allez. Ah, c'était plus Barthez et c'était pas encore Lloris. On se carnait en bois coupé. Oh là là, ça joue Brassens! Regarde, j'ai pas déclenché un tir hein, pour l'instant. Ah non, le contrôle! Ça joue un peu trop Brésil d'ailleurs. Oh, ouais, ouais. Faute! Allez. Ah non! Qu'est-ce qu'ils ont loupé? C'est un 3 contre 1! C'est pas vrai! Ribéry. Attention à la contre-attaque. Ah non! Ouh. Ah oui! Oh non! Oh non! Il s'est joué facile là! Il a fait passer le ballon derrière le pied. Ouf! Merci! Mais quoi? Ah là là! Il joue un peu trop facile. Contrôlez-moi ces ballons là où il les laissait passer. Ouf! Voilà. Génial. Bon. Tranquille. Ouais. Ah non. Ah non. Je suis bien positionné au milieu de terrain. Ah, il faut que je dise ça. On va pas récupérer le ballon. Oh, faute là. Quoi? Physiquement, je suis présent en plus. T'as mon avantage. Oula, bien passé. Ah non. Oh, purée. Un peu loin, 35 mètres. Le mec qui rêve. C'est pas Juninho qui veut, hein. Ni le dernier jeu. Oh, mais monsieur, là, la faute à la fin. Faut arrêter de se moquer. Oh, les belles, Thomas. Ah non. J'ai enclenché mon dribble un poil trop tard. Ah. Ouh, quelle première mi-temps. Une énorme surprise. Et je pense que même au niveau possession de balle, je vois pas que c'est mal que ça. Je suis complètement. En dehors là. J'aime bien ce PES de minute finalement. Et 54-46, ouais. Énorme surprise. Ah, 7 tirs hein. Ouais, ouais. Vous voyez à quel point je suis pas du tout dedans là. Bon, allez. Tu joues la deuxième direct. Oh non, ma frappe. Et donc il y a une touche. On a un peu de temps. Je vois pas ce que je peux faire de plus donc. Corner! Corner, c'est touché! Non. Bah attends, hein, tu peux revenir à 2-2. L'autre est. Comme d'habitude, comme quand on joue aux fléchettes, c'est pareil. Il est mené, mais il gagne 3-2 à la fin. Et puis, après, ça veut peut-être dire que je vais gagner aux fléchettes, ça c'est bien. Ça.
Alors c'est peut-être le côté aussi qui va pas. Ouais. Carton. Ah non, la mauvaise passe, comme d'habitude, Putain, mais t'as fait une défense à 5 ou quoi là? Bah non, j'ai une défense à 4. Et en plus, j'ai pas ni David Luiz ni Thiago Silva. Ouais, ouais. Par contre, c'est costaud physiquement. Ah, voilà, je suis parti dans le bon sens, heureusement. Ouf. Voilà le bac du saut en longueur de la piste de Monaco. Oula, il est passé entre deux. Non. Merci. Je regarde bien. Oh, quoi? Il y a faute là, pour moi. Oh non. Dans l'intervalle, je le sentais. Si. C'est pas une frappe correcte, pas une seule occasion. Oh, c'est. Je suis bien sur toutes les trajectoires, là, ça me plaît. Là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de la réussite en plus comme ça. Ah oh, oui, non, non. Oh, ça a failli passer. Je suis un peu dégoûté là, hein. J'étais bien passé entre les deux. Il m'a manqué le petit coup de rein. Allez, y'a rien. Oh là 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 là, maximum de réussite. Ah ouais, non, mais une chance. Ah non! Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai pas très bien compris ce que j'avais fait. Ah! Oh. C'est moi qui ai pas de réussite là. Bah, il était pas mal cette balle dans le dos. Je suis naïf là sur cette action. Bien joué, Chris. Comment il s'appelait déjà, Chris? Je ne sais plus, l'agent de police, le... ah, je ne sais plus. C'est le. Côté trop lyonnais là qui ne va pas. Tu veux faire sentir quelques minutes de lyonnais? Non. Plus. Enfin, on ne voit pas les changements malheureusement. C'était pourtant la fin du règne de Lyon à cette époque-là. C'était dans le temps. Hein. Ouais, à mon avis, c'est le seul par qui la flamme peut arriver. Non. L'étincelle, mais non. Ah, je te laisse trop le ballon là maintenant. J'essaie de trouver vous direct. Ah non! Le football c'était ne trop va pas. Téléphoné, trop facile. Oh là 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 là, Chris qui est énorme! Ouais. Ah, le shérif, voilà, j'ai retrouvé son surnom. Oh non, c'est pas cadré. Allez, c'est du temps de gagner. Je laisse cette équipe, hein, c'est solide. Ouais, ouais. Ronaldo, tant pis pour lui. Ouais. Peut-être avant les arrêts de jeu, je ferai peut-être un petit changement histoire de gagner un peu de temps encore. Il faut presser un peu. Ah, un peu trop facile, Ronaldinho. Wow. Oh. Oh non. Regardez-moi cette malchance là. Lui il fait une relance dans l'axe, les joueurs ils sont pas là. Franchement j'ai. Oh non, fallait que ça passe là. J'ai pas de réussite. Ça. C'est quoi ça? C'était un lob. Ouais. Robinho qu'on n'a pas trop vu, hein. Ouais. Pourtant, on a vu Adriano aujourd'hui. J'ai topé ma frappe là, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. C'était un peu une minute. Allez, au moins sauver l'honneur. Les relances courtes qui sont très faciles avec ce jeu parce que les adversaires sont très loin. On a Digno qui aura beaucoup couru. Et encore une fois, ça paye. Il
débarrasse trop du ballon, ah, c'est pas du football ça. Surtout c'est pas du football brésilien. Tu fais honte au Brésil. Mais quoi? Mais pourquoi il dit d'aller? Là c'est de l'efficacité brésilienne, c'est pas du... Oh non, c'est quoi ce contrôle? Aïe 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 aïe. Je me mets en danger. Non, non, c'est bon, non, c'est pas cadré. Non, non. En plus j'arrive pas à les cadrer. Allez, au moins matin quoi. C'est tout ce que je demande, pas plus. Il faut que je perde. Voilà, allez, c'est bon. Eh oui, c'est vite, vite, hein, même, hein. Ah ouais, ouais, tu peux râler, mais elle y est, hein. Allez, sors, ouais, sors. Ouh là 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 là, l'attentat. Ouh, mon joueur qui courait, qui regardait même pas le but. Icon, ancien monégasque, et joueur d'Inter Milan. Ouf. Première grosse erreur en défense. Oui, 4 fois. Ça va vous coûter très cher. Match, c'est bon. Ah. Allez, siffle. J'étais moins bien sur cette deuxième mi-temps, mais ça suffit. Ouf. Une grande première depuis une éternité. 2020, drôle de fin d'année dans ces Sun versus Dad. Ouf. Ça va être la conclusion la plus étonnante de la saison. On revoit les buts. Cette frappe de caca depuis l'entrée de la surface croisée. J'ai fait un peu une victoire à la fin de bateau, quelque part. On revoit cette grosse récupération de balle. Bien joué. Le décalage dans l'axe, c'est une nouvelle frappe, mais là, elle n'était pas cadrée, celle-là. Et là, le décalage dans la défense. Et voilà. Et nouvelle frappe croisée, mais cette fois, à mi-hauteur. Pour le... Ouh là là, et coupé là quand même, qui est pas exempt de tout reproche. On revoit ensuite des actions. Bon, la deuxième mi-temps a plutôt été en faveur de fin de bateau, mais je lui ai laissé le ballon. Ah oui, celle-là, il se retourne bien, mais la frappe derrière est pas cadrée. Ouh là, là, un gros raté. Encore une fois, une frappe qui fuit le cadre. Il n'a pas dû avoir beaucoup de frappes cadrées. Hein. Je pense pas que mon gardien ait fait beaucoup d'arrêts sur ce match. Et la dernière grosse occasion, encore une fois, pas cadrée. Revoyons les stats. 12 tirs à 5 et seulement un tir cadré et 51-49 de possession. Ah oui, là, tout est dit. Dans ces stats, tout est dit. Allez, ça me bateau, tu viens de faire des pénaux, pas du tout. Ça me bateau, tu nous fais. Tu nous fais une petite conclusion? Non, pas un peu. Mince, oh, c'est pas cool. Tu nous fais une petite conclusion? Donc je vérifie déjà si on peut faire des pénaux. J'ai pas dû en gagner beaucoup dans cette année, hein. Notamment, on revoyait toute la série des Sand vs Dal. Et il n'y a même pas de penalty, d'ailleurs. Ah, si. C'est un penalty à l'Ajax. Allez, vite. Port-Nawak, ce jeu. Port-Nawak. N'importe quoi. Moi, je pense que c'est l'un des meilleurs PES qu'on ait vu. Le mec, il n'en rajoute pas. Allez, une petite conclusion.
Ça fait, ça doit faire, vu que j'ai pas dû gagner un match de 2020 sur FIFA et PES. Si. Ah bon, j'en ai gagné encore, ah oui, mais sur mon tournoi à 3, oui, mais pas dans ce universitaire, hein, je crois pas que j'en ai gagné le moindre. Hein. Dans mon Universidad, la dernière fois que t'as dû gagner un match dans mon Universidad. Alors, un match ou un Universidad complet? Un match. La dernière fois que t'as gagné un match dans mon Universidad. C'était sur le FIFA Street sur PS2. Sur PS2, je vais y arriver. T'avais gagné. T'avais bien gagné. Hein. D'accord. Allez. Donc, c'était. Il y a 3 mois. Non. Je dirais. Ça fait peut-être plus le confinement, je pense. Hein. Bah écoute, je sais pas. Ok, faudrait qu'on vérifie. Mais là, c'est les PES, donc c'est pas la même série. Donc ça compte pas. Bon, bref. Bon, eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo ne vous a pas plu. Si, elle était vraiment très très plaisante, celle-là. Non. Bon, eh bien, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me ferait super plaisir pour me remonter le moral. S'il vous plaît, j'en ai besoin. Les 500 abonnés, s'il vous plaît. Sinon, je fais pas de live sur YouTube cet après. Pas de tournoi. C'est sûr. Twitch. Pas de pression à nos. Si, là, je me mets dans la putaclic parce que j'en ai marre. Donc voilà, donc oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait, ça me ferait également super plaisir et ça me donnerait envie de continuer mon aventure sur YouTube. On vise les 500 abonnés. On va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver avant le 1er janvier? Ça non, va être dur. Non. Il faudra en gagner 6 dans la journée. Voilà, on verra bien. Et puis aux 500 abonnés, je sors un serveur Discord. Donc. Voilà, puisque beaucoup de gens me demandent si j'ai Discord. Ça peut être l'occasion. Voilà. Et voilà, et puis n'hésitez pas non plus à aller me suivre sur Twitch et sur Facebook, parce que je suis sur des lives notamment. Un petit tournoi FIFA, comme. Bah, peut-être si je réussis pas à remettre YouTube. Oui, on va voir. Donc voilà, et puis il y aura des blogs, des trucs comme ça. Et puis sur Facebook, vous serez prévenus des sorties de vidéos, de mes projets quand il y aura des lives, et sur l'avancement de la vidéo en cours, si elle pourra sortir aujourd'hui ou non, avec du retard, etc., etc. Voilà, enfin bref, moi je vous dis. À très bientôt pour une prochaine. Allez. Et j'ai gagné. Au revoir. Et puis, peut-être à cet après-midi pour le live, peut-être sur YouTube ou peut-être sur Twitch. Voilà. Allez. Et j'ai gagné. Au revoir. J'en fais une deuxième fois. Ciao.